Après des années d'instruction et de contradictions, connaît-on aujourd'hui la vérité sur les circonstances exactes de l'arrestation de Jacques Mesrine? Souvenez-vous, après des mois de traque, le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt à Paris, Jacques Mesrine est tué de plusieurs balles au volant de sa voiture. Pourquoi aujourd'hui encore policiers, justice et la famille de l'ancien gangster ne sont toujours pas d'accord sur les conditions de cette arrestation? Que sait-on de ces dernières secondes de la vie de Jacques Mesrine? Nous allons en parler après notre document avec nous ce soir. Tout d'abord, Bruno Mesrine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fils de Jacques Mesrine. Merci d'être avec nous. La première question, est-ce que vous avez été longtemps, on vous a longtemps caché l'identité de votre père? Disons que j'ai vécu avec lui jusqu'à l'âge de 3 ans, en gros. Et à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai cru que mon père, enfin mes parents étaient morts, en fin de compte, dans un accident de voiture. C'est ce qu'on vous avait dit. C'est ce qu'on m'avait dit à partir du moment que j'ai perdu la mémoire, vu qu'à 3 ans, on ne se souvient plus de son enfance. Mais de 3 ans jusqu'à 8, on m'avait toujours dit, tiens, tes parents sont morts un jour dans un accident de voiture. On m'a même pratiquement donné les circonstances, ils ont raté un virage, ils sont morts tous les deux ensemble. Un vrai secret de famille. Jusqu'à ce moment-là, j'ai toujours cru que c'était vrai, qu'en fait. Un secret? Ah, c'était totalement un secret de famille. Je pense que c'était surtout pour nous protéger, en fin de compte, pour éviter qu'on soit trop perturbé, je dirais, trop rapidement par rapport à l'actualité. Mais en fin de compte, l'actualité va s'inverser, parce que tellement qu'on va parler de lui, que je vais être obligé de deviner que c'est mon père, en fin de compte. Et puis un jour, vous allez le voir en prison. Vous avez 9 ans. Oui. Mmh. C'est vous qui avez demandé d'aller le rencontrer? Ah ben, disons qu'à 8 ans, donc, je découvre la vérité de l'existence de mon père et de ma mère aussi au passage, d'ailleurs. J'apprends donc qui il est réellement. Ça va assez vite, vu que moi, déjà, en tant que petit gamin, je connaissais déjà le personnage public. J'avais juste à associer, en fin de compte, que le personnage public était mon père. Voilà, je le voyais dans les journaux. Tout le monde en parlait autour de moi, à l'école et compagnie. Et donc, le jour que j'apprends l'existence de mon père, ben, le même jour, je demande à le voir en prison. Vous vous souvenez encore d'aujourd'hui de cette rencontre? Ah oui, ça c'est bien un jour que je pourrais jamais oublier, c'est bien ce jour-là. Oui. Ça a été un... Vous vous rendez compte, c'est comme si vous attendiez pendant 8 ans d'aller voir ou de rencontrer votre père pour la première fois. C'est presque une première naissance. C'est comme un retour à zéro, c'est comme si qu'à 8 ans, j'avais 0 ans. Quoi. Donc ce jour-là, ça a été totalement, totalement magique. Quoi. Ensuite, Jacques Mesrine s'est échappé de cette prison dans laquelle vous avez été le rencontrer pour la première fois. Pardon ? Heureusement. Heureusement. Mmh. Et il s'est échappé et durant cette cavale, vous savez que vous étiez sous surveillance, vous, parce qu'il risquait bien évidemment de prendre contact avec vous. Ah, bien sûr, mais de toute façon, ça c'était un principe de base évident. À partir du moment que lui était en cavale, de toute façon, il n'y a pas eu que la dernière cavale où le problème était le même. Il y a eu d'autres cavales où c'était exactement le même problème. Les policiers en premier, hein, c'est bien connu, on cherche la femme. Là, dans ce cas-là, c'était plus compliqué. Où on cherche les enfants, la famille, etc. Quoi. Mais là-dessus, il a pris pratiquement aucun risque, pratiquement. Quand vous dites pratiquement, ça veut dire que vous l'avez rencontré pendant cette période? À cette période-là, moi, je ne peux pas en causer. Donc, je ne l'ai pas vu. Ni personne de la famille, normalement. Normalement. Voilà. Vous aviez des nouvelles, donc? Oui, oui. 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 Quand on vous demande qui était votre père aujourd'hui, vous dites quoi? Ben, c'était difficile comme question. Enfin, c'est même pas la question qui est difficile, peut-être la réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est un papa que j'adore, que l'humain est extraordinaire. Plus les années passent, plus je ressemble en plus. C'est assez compliqué, hein, c'est assez compliqué. Me suis retrouvé un moment un espèce de paradoxe où j'étais déjà fasciné par le personnage avant de savoir que ce soit mon père. Tout d'un coup, j'apprends que ça devient mon père. Donc, ça veut dire quoi? À 8 ans, on est passionné par, fasciné par l'idée du bandit, du gangster. À 8 ans, dans ma cour de récréation, tout le monde jouait à mon père. Donc, il n'y avait pas de raison que moi, je sois pas comme les autres petits gamins à jouer à mon père. Moi, quand j'ai vu que c'était mon père, j'ai juste associé les deux ensemble, quoi. Il y a juste au niveau de ma vie que j'ai dû bien séparer les deux faits, quoi, de pas mélanger la vie du gangster et la vie du père, quoi. Alors, vous estimez toujours que votre père a été assassiné, exécuté ce jour-là, le 2 novembre 79. Vous étiez vous. À ses côtés, Sylvia Jean-Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes la dernière compagne de Jacques Mesrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous ne souhaitez pas ce soir que l'on voit votre visage. Vous êtes donc sa dernière compagne. Vous étiez à ses côtés lors de cette fusillade. Vous avez été vous-même blessé, je crois, ce jour-là. Très grièvement blessé. Alors, on va reparler de tout ça dans un instant. Avec nous également, Paul Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes bonsoir. Journaliste, chroniqueur judiciaire. Vous avez bien évidemment, à l'époque, suivi cette cavale, cette folle cavale de Jacques Mesrine. On n'est pas ici... C'est difficile, on entend les propos de Bruno Mesrine,
On n'est pas ici en face d'un Robin des Bois, on est en face d'un gangster violent. Non, mais je veux dire que c'est très difficile hein, pour moi d'être devant les deux autres invités. Je comprends parfaitement les sentiments de son fils et je comprends évidemment les sentiments de sa dernière compagne. Donc moi, j'ai un regard qui est tout à fait différent. Il y a plusieurs éléments. Les trois quarts des délinquants, des criminels, sont des QI 25. Est-ce que lui, c'est un garçon qui était intelligent, vif, provocateur, drôle. On oubliait peu à peu qu'il était capable de tuer. Il ne faut quand même pas non plus l'exagérer. On oubliait parce que c'est vrai, on avait besoin d'un visage de Robin des Bois. C'est-à-dire que entre les gendarmes et les voleurs, ben, pendant un sacré bout de temps, ça a été les voleurs qui étaient... Évidemment, les Français adorent ça. Et nous, les journalistes aussi, un peu. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. 25 ans après la mort de Mesrine, vous découvrez également tout à l'heure des images inédites, étonnantes. Celle de cette fameuse voiture criblée de balles qui est aujourd'hui toujours à la fourrière, après toutes ces années. Mais tout d'abord, qui se cachait derrière cet homme? Qui a tenu en haleine toutes les polices de France, on le disait, durant toutes ces années? Ce sont les policiers ou encore ses proches, ses complices. Tous témoins de ces années de cavale qui vous racontent le parcours de Jacques Mesrine, les mystères qui entourent sa vie, mais également, vous allez le voir, sa mort. Enquête signée Thierry Vincent et Marc Boulet. La cavale de l'homme le plus recherché de France vient de prendre fin. Jacques Mesrine a été tué par la police. La mort du gangster est un événement national. Mesrine abattu à Paris. C'est la dernière fois que Jacques Mesrine fera la une des journaux. Des policiers ont tendu tout à l'heure un véritable guet-apens, un ennemi public numéro un. Dans les annales du banditisme, Jacques Mesrine restera à jamais l'ennemi public numéro un. Une récompense suprême pour celui qui voulait être le gangster le plus célèbre. Il veut être le meilleur, il veut être le plus grand. Exister en tant que tel, quoi. Et d'être connu, surtout redouté. Ah, il se la jouait quand même, il se la pétait, Mesrine. Parfois arrogant, parfois ironique, parfois charmeur. Son distributeur automatique, c'était les banques, quoi. Bon, hein. Il y a ce côté, c'est gendarmes et les voleurs, quoi. C'était un bandit très dangereux. Mesrine m'a menacé de mort. Il est interviewé ici par tel journaliste, là... par tel autre journaliste, on le prend en photo, on le voit, il existe, et la police ne met pas la main dessus. Donc quelque part, il est une voix qui dit à l'État, t'es nul. Et il est bien évident qu'à partir de là, ça devient une affaire politique. Nous allons vous raconter l'incroyable ascension d'un hors-la-loi. Vous allez découvrir comment un fils de bonne famille est devenu un criminel, de quelle façon il a défié le pouvoir et la police, et ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour stopper définitivement l'ennemi public numéro un. Voici Jacques Mesrine lorsqu'il était enfant. Au départ, rien ne prédestine ce petit garçon au regard studieux à devenir un dangereux gangster. Jacques Mesrine est né dans la banlieue parisienne en 1936. Il est issu d'une famille aisée, une enfance, tout ce qu'il y a de plus heureuse. C'est quelqu'un qui était issu d'une famille tout à fait honorable. Son père et sa mère travaillaient dans une entreprise de broderie de luxe et rien ne lui manquait. Il était dans un milieu familial tout à fait honorable. Il a fait sa communion, il avait une aube et il était donc tout à fait intégré dans un milieu croyant, catholique. Il a été enfant de cœur, il a servi la messe. Mais le jeune garçon ne va pas rester un enfant modèle très longtemps. Turbulent à l'école, l'adolescent fréquente maintenant les mauvais quartiers de la capitale. Pigalle, par exemple, le haut lieu de la prostitution et des voyous. Il avait déjà, si vous voulez, une réputation de petit caïd, de petit meneur, de bagarreur, de mots assez rudes, assez prétentieux. 1957,
le destin de Jacques Mesrine va définitivement basculer. Depuis 3 ans, la guerre fait rage en Algérie. Et le jeune homme a décidé de s'engager sous les drapeaux, car il n'a ni diplôme, ni emploi. Il a 20 ans, il fait partie des commandos, et il prend goût à la guerre. S'il y a un déclic, s'il y a un moment où ça bascule, c'est la guerre en Algérie. Où il a pris goût à l'action, où il a pris goût aux armes. On en prend des mômes de 20 piges à tuer, à massacrer. On peut comprendre qu'effectivement, chez nombre de personnages, nombre d'individus, il y a eu des cassures. La guerre marquera à jamais Jacques Mesrine. Lorsqu'il rentre en France après 2 ans en Algérie, il est transformé. Sa mère se souvient. Non, mais pour moi, c'est l'Algérie qui l'a complètement déboussolé avec le caractère qu'il avait. Hein. Et Jacques Mesrine n'a pas l'intention de mener une vie ordinaire. L'homme veut gagner beaucoup d'argent, mais pour y arriver, il a un plan de carrière très particulier. Il avait fait un choix délibéré. Il le dit lui-même. À 23 ans, j'avais décidé de faire du crime une profession. Voici les seules images filmées de Jacques Mesrine. Le gangster se trouve au Venezuela, car c'est à l'étranger qu'il commet ses premiers grands forfaits. Vol dans une bijouterie à Genève. Enlèvement de ce milliardaire au Québec. Arrestation devant toute la presse canadienne, suivie d'une évasion spectaculaire. Après 50 cavales sur le continent américain, Jacques Mesrine rentre en France. C'est un gangster hors pair et il veut maintenant le faire savoir. Il voulait être numéro 1. Il en était tout fier. C'était un fou d'orgueil. C'était vraiment, il voulait avoir une stature internationale. Paris, 1973. La police française doit désormais compter Jacques Mesrine parmi les plus grands noms du banditisme. L'homme n'a que 36 ans et déjà une quinzaine de braquages à son actif. Nous sommes au mois d'août, Mesrine se cache quelque part dans la capitale et va maintenant commettre 3 hold-up en seulement 6 semaines. Crédit Lyonnais, Banque Nationale de Paris, Société Générale. Le gangster dévalise chacune de ces banques sans aucune difficulté, et il s'en amuse, comme le prouve cet enregistrement qu'il a lui-même effectué. Puis je bois un whisky. C'est pas mauvais. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est la Société Générale qui paye. Seulement voilà, pendant qu'il trinque, les forces de l'ordre le recherchent activement. L'homme qui sera chargé de l'arrêter est une grande figure de la police, le célèbre commissaire Robert Broussard. Broussard, qui devenait Broussard, le commissaire Broussard, c'était le type même du bon flic français, grand, balèze, barbu, communicant, sympathique, bouffeur, intelligent, rusé, madré, qui ne le montrait pas trop. Ça devenait la star, Broussard. L'arrestation de plusieurs complices de Mesrine permet à Broussard d'obtenir une information capitale. Le gangster se cache dans le 13e arrondissement de Paris. Le 27 septembre 1973, la police passe à l'action. L'immeuble du truand est cerné de toutes parts. Mesrine ne le sait pas encore, mais c'est Broussard lui-même qui mène l'opération. Ce jour-là, les deux hommes vont se retrouver face à face pour la première fois. L'affrontement Broussard-Mesrine, c'était d'homme à homme. Allez, d'homme à homme. Et ils avaient la gueule à ça, tous les deux. En fait, on aurait pu faire un très bon film, hein. Mesrine dans le rôle du voyou et Broussard le pourchassant, logiquement ça devait fonctionner. Le commissaire Broussard veut à tout prix arrêter Mesrine vivant. Pour cela, il a décidé de monter directement négocier avec le gangster devant la porte de son appartement. À l'intérieur, Mesrine est accompagné de sa petite amie. Lorsque le policier leur ordonne de se rendre, le gangster le prend de haut, sans savoir à qui il parle. Il me dit, mais qui es-tu, toi, pour me parler de la sorte, un petit flic de quartier bon. Alors, il dit, ben non, je suis Broussard, patron d'Antigang, etc. Broussard. Le gars au collier de barbe, il dit, oui. Mesrine maintenant le sait, il n'y a aucune issue pour s'échapper. Son appartement est assiégé par Broussard et ses hommes. Mais le gangster veut à tout prix sauver les apparences. Alors il va lancer un défi au commissaire. Et là, il me dit, ben, écoute, est-ce que tu serais capable de venir me chercher seul, sans armes et sans gilet pare-balles?
J'ai dit oui, moi, je suis tout à fait capable d'aller le chercher seul, sans armes et sans gilet pare-balles. À ce moment-là, le policier a la présence d'esprit de retourner le défi contre son adversaire. Mais toi, est-ce que tu serais capable de sortir sans armes? Oui, moi, je suis capable. Et ça, c'est tout Mesrine aussi, c'est qu'il ne peut pas se montrer inférieur à quelqu'un d'autre. Et cette façon de se mettre au point avec son adversaire, c'est dicté avant tout par le panache. C'est un homme de panache. Comme convenu, Broussard se débarrasse de son arme. Le truand ouvre la porte de son appartement. Et voilà de quelle façon il accueille le policier. Il avait un énorme cigare à la bouche, énorme. J'ai jamais vu aussi gros. Et il me dit, tout en tendant ses poignets, il me dit, tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule? Je dis, oui, effectivement, c'est pas mal. Le papa, je lui mets les menottes, bien sûr. Et il se retourne vers la jeune femme qui était à l'intérieur en me disant, Fifi, du champagne pour ces messieurs, ce sont des hommes, des vrais, etc. Là. Il considère que tout ça, ça manque pas de gueule, quoi, Mérine. Donc c'est vrai qu'il a un certain respect. Ça se passe entre gens de bonne compagnie, presque. Le jour même, le truand est incarcéré. 4 ans plus tard, il passera devant les juges. 3 mai 77, cour d'assises de Paris, le procès de Jacques Mesrine va commencer. L'événement fait la une de la presse. France Soir, Le Quotidien de Paris, Le Monde, les journaux annoncent 3 semaines d'audience. Il s'agit d'un procès sous haute tension. Mesrine, que l'on a appelé l'ennemi public numéro 1, comparaît devant les assises pour une impressionnante... Mesrine, à qui l'on reproche une foule de méfaits qui vont du vol qualifié à la prise d'otage... Mesrine est un malfaiteur intelligent, mais dangereux. Mesrine est également un gangster charismatique, alors le tout Paris accourt à son procès. Il y avait des éditeurs, il y avait des vedettes de cinéma. Des types en costume genre PDG, trucs comme ça, un peu comme Roland Garros, mais avec les cravates. Il y avait une ambiance, bonjour un tel, comment allez-vous? Oui, mais très bien. C'était Mesrine, c'était un spectacle, quoi, puis gratuit en plus. Et le public ne sera pas déçu. Jacques Mesrine a beau être dans le box des accusés, il n'a pas l'intention de rester passif pendant les débats. Il a décidé que ça serait son procès. Comme ça serait son spectacle ou sa première au Zénith ou à Bercy. Et il entend bien ne pas la louper. Objectif de Mesrine, détourner l'attention des jurés des faits qui lui sont reprochés. Pour y parvenir, il va créer un scandale en pleine audience. Le procès n'a commencé qu'il y a 3 jours et Mesrine va démontrer de manière spectaculaire qu'il peut à tout moment s'évader de prison. Vous voulez une preuve de la corruption de l'administration pénitentiaire? Cette preuve, je vais vous la donner. Il défait son nœud de cravate très longtemps, etc. Et il sort des clés de menottes. Et il lance au président Petit et aux journalistes. Voilà ce que l'on peut acheter, monsieur le président, dans vos prisons. Je vous démontre que tout s'achète en prison. J'ai payé ça 3000 francs, je ne vous dirai pas qui, etc. Puis il jette les clés devant le président en disant voilà comment on peut corrompre et sortir des prisons. Jacques Mesrine vient d'adresser un message au président du tribunal. Il est capable de s'évader. Le gangster n'a peur de rien et veut le faire savoir. Alors avant la fin des débats, il va lancer un ultime défi à celui qui l'a arrêté, le célèbre commissaire Broussard, venu témoigner à la barre. Il s'agit d'une petite phrase au parfum prémonitoire. Je me donne 2-3 ans maximum pour m'évader. Et puis on se retrouvera, ça se passera, il n'y aura plus de champagne pour ça, hein. Ça se passera dans la rue. Et le premier qui tirera aura raison. C'est con, on va être obligé de se tirer sur la gueule, c'est con, mais c'est comme ça. Après 3 semaines d'audience, le verdict tombe au palais de justice. Jacques Mesrine est condamné à 20 ans de prison. Mais voilà, le gangster n'est pas du genre à courber les chines. Il a décidé de tout mettre en œuvre pour écourter sa peine. Lorsqu'il rentre à la prison de la Santé en 1977, Jacques Mesrine a déjà 4 ans de cellule derrière lui. L'idée d'être de nouveau enfermé lui est insupportable, alors il n'a qu'une obsession, s'évader. Et il ne se voyait plus maintenant faire 15 ou 20 ans de prison. Donc, ou c'était l'évasion ou c'était la mort.
Et ceux qui surveillent Jacques Mesrine sont prévenus. Alors pour éviter qu'il s'évade, le gangster est enfermé dans la partie de la prison où se trouvent les cellules pour les détenus les plus dangereux. Il s'agit des quartiers de haute sécurité. C'était une pression psychologique très forte. Le QHS, c'était d'abord une surveillance 24-24. C'était des promenades très courtes, peu fréquentes et sous surveillance permanente. Et c'était surtout, j'allais dire, la présence constante de gardiens. Le détenu n'était jamais laissé seul. Ils ont un régime carcéral qui est quand même beaucoup plus dur. C'est une prison dans la prison, si vous voulez. Nous avons reconstitué par image de synthèse les quartiers de haute sécurité de la prison de la Santé. Derrière cette porte, Jacques Mesrine est donc condamné à vivre 20 ans dans une cellule de 9 mètres carrés. Le détenu n'a ni lavabo, ni cabinet de toilette. Il y a tout juste la place pour un lit et un tabouret. Quant à la fenêtre, elle se résume à une lucarne hautement protégée. La lumière, vous la voyez non seulement au travers d'un barreau, parce que ce n'est pas les barreaux comme ça où on se penche pour regarder les QHS. Il y avait les barreaux, plus il y avait du verre, plus il y avait des couches. Tout est doublé, il y a des couches de partout. Donc il y a un côté cocon sécuritaire qui quand même psychologiquement devait taper un peu sur le système des gens. Ça, il n'y a pas de doute. Et pour Jacques Mesrine, son incarcération en QHS sera l'expérience la plus douloureuse de sa vie. Dans une interview réalisée quelques années plus tard, le gangster raconte ce qu'il a subi dans les quartiers de haute sécurité. Vous comprenez, j'ai pris la haine en quartier de haute sécurité. Comprenez les choses. Quand vous voyez qu'on vous défend, on vous déchire les photos de votre femme, qu'on vous supprime une lettre de votre femme, c'est dans le seul but de détruire un homme. Moi, on me l'a fait. Un type qui est enfermé dans un quartier de haute sécurité, que doit-il faire? Accepter? S'écraser? Se laisser humilier? Se laisser déshumaniser? Se laisser détruire et ne pas bouger? Moi, je n'ai pas accepté cette détruction. Alors, pour ne pas sombrer, Jacques Mesrine consacre tout son temps à préparer l'impossible, son évasion de l'une des prisons les mieux gardées de France. A priori, la Santé, c'est une prison où on ne sait même pas, quoi. C'était quasiment mission impossible. Quasiment mission impossible. Et Mesrine a compris que pour réussir, il ne peut pas agir seul, c'est trop risqué. Il lui faut donc un complice. Pour le trouver, il n'aura pas à chercher très loin. Son voisin de cellule est exactement l'homme qu'il lui faut. Il s'agit d'un certain François Besse. Mais François Besse, à l'époque, dans le milieu du banditisme, c'était d'abord un spécialiste de l'évasion, qui commettait beaucoup de cambriolages ou des hold-up, etc., et qui allait en prison et qui s'évadait. Mais cette fois, l'opération est plus complexe. Car pour s'évader de la prison, il faut déjà pouvoir sortir d'une cellule, d'un QHS. Pour cela, il n'y a qu'une solution. Obtenir une visite au parloir qui se trouve à quelques mètres. Mesrine va alors demander à l'un de ses avocats de venir le voir. 8 mai 1978, prison de la Santé, c'est le jour J. Comme convenu, Mesrine se trouve au parloir avec son avocate. Et pendant l'entretien, un gardien les surveille. Mais le gangster a tout prévu, très vite. Le surveillant doit s'éloigner. Il y a du bruit dans le couloir. Le gardien va alors découvrir qu'un de ses collègues est blessé. Il a été agressé par François Besse, le complice de Mesrine, à l'aide d'une bombe lacrymogène. Le plan fonctionne à merveille. Dans le parloir, Mesrine n'est plus surveillé, alors il en profite. Sous les yeux de son avocate médusée, il saute sur la table, arrache le faux plafond pour en retirer des cordes et une sacoche. Il y avait là une cache d'armes. Il met les armes dans ses poches, il en garde une, au moins une, je ne sais pas si c'est une ou deux, à la main. Je lui dis, j'avais bien compris ce qu'il faisait, bien sûr, vous allez vous faire tuer. Il me répond, pas du tout, on va se tailler la route. Lorsqu'il sort du parloir, Mesrine, arme au poing, menace les gardiens et rejoint François Besse. Ensuite, les deux hommes enferment les surveillants dans une cellule et s'emparent de leurs uniformes. Avec un parfait sang-froid, ils vont même jusqu'à libérer un autre détenu qu'ils emmènent avec eux. Mesrine et Besse, déguisés en gardiens, simulent l'escorte du troisième prisonnier.
Ils savent que la cour est en travaux depuis des semaines. Ils la traversent et s'emparent d'une échelle installée sur le chantier. Ils n'ont plus qu'à franchir le dernier rempart pour s'évader. Seulement voilà, l'alerte a été donnée, la police est arrivée sur les lieux. Après une fusillade, Mesrine et Bess parviennent à s'enfuir. Mais le troisième détenu, lui, sera abattu d'une balle en plein cœur. Je me demande si à un moment, la population française n'a pas eu l'impression qu'elle était au cinéma, quoi. C'est un scénario complètement assez incroyable, d'ailleurs. Plus de 20 ans après les faits, une question demeure toujours sans véritable réponse. Comment Mesrine a-t-il pu se procurer des revolvers, des cordes et des bombes lacrymogènes à la prison de la Santé? Les armes ne sont pas venues comme ça, tombées du ciel, dans le plafond de la loge où était, dans l'espace où était Mesrine, quand même. Il y a quelqu'un qui les avait apportées, ces armes. Qui exactement? Cela reste un mystère. Mais si l'on en croit Jacques Mesrine lui-même, la réponse est très simple. Il l'a donnée lors d'une interview, quelques mois après son évasion. J'ai toujours discuté avec les gardiens. L'un d'eux m'a dit: vous comprenez, Mesrine, si vous montiez quelque chose, je serais prêt à vous aider. Et je lui ai dit: si tu peux réussir à me porter des armes pendant tes rondes de nuit, tu les mettras dans le parloir des avocats. Il m'a donné son accord, donc les armes sont rentrées. Quelles que soient les complicités dont il a pu bénéficier, le jour de son évasion, Mesrine fait de nouveau la une de l'actualité. Une évasion et une évasion de taille, puisqu'il s'agit de celui qui est considéré comme l'ennemi public numéro un, Jacques Mesrine. Au sommet de l'État, c'est l'embarras. En première ligne, Alain Perfitte, le ministre de la Justice de l'époque. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le garde des Sceaux sort de ses gonds. Il employait des mots très, très, très brutaux, hein. Très, très brutaux. Bien, j'ai encore souvenir, je le vois avec les pieds croisés sur le bureau, renversés sur sa chaise, en bras de chemise, les manches retournées, en train de nous passer un savon monumental, parce que les choses n'allaient pas. On se sentait stressé, parce que la pression des médias, tout le monde se tourne vers nous, puis il y a quelque chose, quelque part, qui nous dit: bon, on est ridicule dans cette affaire. Celui dont on parle le plus, il trouve le moyen de s'évader. L'affaire Mesrine est d'autant plus gênante pour le gouvernement que la sécurité est une des priorités majeures du président Valéry Giscard d'Estaing. Le chef de l'État lui-même s'est intéressé à l'affaire en recevant le garde des Sceaux tout à l'heure et en lui demandant de tirer toutes les conclusions pénales et disciplinaires des résultats de son enquête. Alain Perfitte s'exécute et les sanctions tombent. Le directeur de la prison de la Santé est muté et son supérieur, le patron de l'administration pénitentiaire, est limogé. Pour le président de la République, ces mesures ne suffisent pas. Cette affaire doit être maintenant réglée au plus vite. Mais il va devoir attendre, car malgré la traque policière, Jacques Mesrine est introuvable. Si la police ne parvient pas à mettre la main sur l'ennemi public numéro 1, c'est pour une raison très simple. Désormais, Jacques Mesrine ne ressemble plus à Jacques Mesrine. Il avait le don de la transformation, quoi. Puis il aime ça, c'est un comédien. C'est toujours le comédien, le provocateur, le comédien. Voici l'unique photo distribuée à tous les policiers de France pour l'arrêter. Il s'agit d'un cliché pris de loin lorsqu'il était à la prison de la Santé. À l'époque, Mesrine portait une moustache et il n'avait qu'un visage. Mais les temps ont changé. Voici Jacques Mesrine. Là encore, c'est Jacques Mesrine. Cet homme aussi s'appelle Jacques Mesrine. Fausse barbe. Perruque. Lunettes de vue. Pour échapper à la police, Jacques Mesrine n'a qu'un objectif: ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait croiser un ennemi public aussi banal, aussi monstrueusement banal.
Il était d'une banalité totale, Jacques Mesrine. À l'origine, il a une gueule de beauf. Avec ou sans moustache, il a une gueule de beauf. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais au bistrot le matin, à l'heure du café crème, des beaufs, il y en a un paquet quand même. Hein. Donc, déjà là, il peut passer inaperçu. Enfin, il suffit que, comme on a vu sa tronche dans le journal partout, au journal télévisé partout, il suffit que par-dessus ça, il se rajoute une barbe de beauf, une moustache de beauf et une casquette de beauf. Et alors là, c'est un beauf parmi les beaufs. Et à mon avis, ça lui a beaucoup servi. Pour brouiller les pistes, Jacques Mesrine ne s'arrête pas là. En plus de son visage, il change également d'identité. Pour cela, l'homme se procure de faux papiers. Un jour, il s'appelle Gérard Lenoir, il est architecte. Un autre, il se nomme Jacques Vétois, journaliste. C'est vrai que Caméléon, il peut jouer différents rôles. Il peut être l'ouvrier, le docteur, l'avocat, l'architecte. Il peut jouer tous les rôles facilement. Il a suffisamment d'intelligence, donc il peut se fondre dans des personnages. Oui. Comble de l'audace, Jacques Mesrine va jusqu'à fabriquer lui-même une fausse carte de police. Il se donne pour nom Vaugier, prénom Henri. En guise de clin d'œil, il se domicilie au 36 quai des Orfèvres, à la préfecture de police. Sur ce faux document, le gangster s'est octroyé le titre de commissaire principal. Et là encore, impossible de reconnaître Mesrine sous les traits de son personnage, le soi-disant commissaire Vaugier. Il est évident que ça lui a permis d'échapper à plusieurs reprises à certainement des contrôles. C'est plus facile quand on ne vous reconnaît pas d'échapper à un contrôle que si vous êtes reconnu. L'homme est traqué par toutes les polices de France, qu'importe. Ils se font dans la masse en plein Paris et occupent maintenant un deux pièces au rez-de-chaussée de cet immeuble. Mesrine est méconnaissable, alors il a décidé de profiter de sa liberté. Il se met à sortir, à Pigalle notamment, l'endroit qu'il fréquentait dans sa jeunesse. Et c'est dans un bar du quartier qu'il va rencontrer son ultime compagne. Elle s'appelle Sylvia Jean-Jacot. À l'époque, elle a 26 ans. J'étais barmaid dans un bar et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Sauf qu'il était, il est habillé en plâtrier et il avait un vélo Solex, ouais. Il était charmant, il était gentil avec moi. Jacques Mesrine file le parfait amour et pendant ce temps, la police piétine. Mais très bientôt, elle va de nouveau entendre parler du gangster. Car l'ennemi public numéro 1 a maintenant décidé de refaire surface. Dorénavant et jusqu'à la fin de ses jours, Jacques Mesrine va tout mettre en œuvre pour ridiculiser le pouvoir et sa police. Pour cela, le gangster doit faire parler de lui. Alors il a décidé de faire un coup spectaculaire. Deauville, 28 mai 1978. Jacques Mesrine a choisi la station balnéaire la plus huppée de la côte normande pour commettre un hold-up. Deauville, alors pourquoi Deauville? Un casino, beaucoup d'argent. C'est un casino. C'est l'antre du capitalisme, du fric. Pour un coup de cette ampleur, Jacques Mesrine a besoin d'un associé, d'un vrai braqueur professionnel. Alors il fait naturellement appel à François Besse, son complice d'évasion. Pour réussir le casse du casino, les deux hommes vont faire preuve d'une audace inouïe. Avant de passer à l'acte, ils se permettent une visite au commissariat de la ville. Muni de sa fausse carte de police, Jacques Mesrine se présente sous un faux prétexte. Il était gonflé, rentrer dans un commissariat, montrer une carte et puis dire « Monsieur, je viens pour une inspection ou je suis commissaire des jeux ». Il était capable de faire ça. Et il est resté quelques minutes à discuter au commissariat. Et il a donc vu quels étaient les effectifs, ayant pu juger du nombre de voitures qui étaient dans la cour, de la quantité d'hommes qui étaient sur place. Ça, pour avoir un certain aplomb, une certaine assurance, il l'avait. Ce jour-là, il n'y a que 6 policiers en poste, Mesrine est rassuré.
Les deux gangsters se rendent maintenant au casino. Mesrine est confiant, il est déguisé, donc totalement méconnaissable. À son arrivée, il se présente comme policier et exige de parler au directeur. Et il lui a dit, voilà, on veut pas d'histoire, ça va aller très vite, on veut des sous. Et il a ouvert sa veste, et d'un air de dire, on est les plus forts, il avait trois pétards autour de la taille, donc il n'y avait rien à faire. Sous la menace, le directeur emmène Mesrine Bess dans son bureau, puis ouvre le coffre. Les gangsters ramassent 130 000 francs en liquide, l'équivalent de 55 000 euros d'aujourd'hui. L'opération ne dure que quelques secondes. Pour rejoindre la sortie, Mesrine, Bess et leur otage traversent la salle des jeux, puis quittent le casino. Ils sont dirigés pour retrouver leur voiture et c'est à ce moment-là, dès qu'ils venaient de libérer le directeur, la police a été aussitôt alertée. Donc... La police est arrivée sur place et ce qui était un hold-up sans violence tourne rapidement à la fusillade. Au moment de la fuite, ils tirent sur les policiers et là, il y a deux personnes qui ont été quand même, l'une assez sérieusement blessée, une jeune femme reçoit une balle en pleine poitrine et puis un touriste anglais est blessé aux jambes, je crois. Finalement, les gangsters prennent la fuite. Jacques Mesrine a réussi son coup. Malgré une traque impressionnante, l'ennemi public numéro 1 s'est encore volatilisé. Mesrine se cache et n'a plus de problème d'argent. Il va donc pouvoir se consacrer à sa vengeance. Car le gangster a décidé de mener un combat. Il entend faire payer au pouvoir ce qu'il a enduré en prison, ces années d'incarcération dans les quartiers de haute sécurité. Ils vont me le payer. Parce que j'ai entendu des dizaines, des centaines de fois. Ah, mais il est clair que c'est ça, sa motivation. Sa logique, c'est l'État et l'administration, je leur ferai payer ces années de QHS. Pour arriver à ses fins, Jacques Mesrine a décidé d'utiliser la presse. Il sélectionne précisément les journaux dans lesquels il souhaite s'exprimer. Exemple, Libération. En janvier 79, le quotidien titre, Mesrine s'explique. Mais c'est avec Paris Match, quelques mois plus tôt, que le gangster entre véritablement en scène. Match, c'est un monument à l'époque. Et c'est un journal qui traite des grands procès, des voyous emblématiques, de la guerre des gangs. Enfin, il y a plein de choses qui font que Match, c'est une référence. 4 août 78, à la une de Paris Match, Mesrine retrouvée. Une interview et des photos exclusives du gangster s'étalent sur 6 pages à l'intérieur du magazine. Pour la police, c'est un véritable camouflet. Bien sûr, ça a été un choc. Une journaliste avait pu approcher Mesrine, que nous recherchions depuis des mois. Hein. Le voir en double page avec photos et appui, c'est quelque chose de très vexant. En réalité, le magazine n'a pas eu à retrouver Jacques Mesrine. C'est le gangster lui-même qui a contacté une jeune journaliste de Paris Match, Isabelle Pelletier, qu'il avait rencontrée lors de son procès. J'avais un mélange de fébrilité et d'excitation incroyable, parce que pour moi c'était la justification du métier que j'avais choisi il y a peu de temps encore, et que d'autre part j'avais quand même l'impression et le sentiment de vivre un moment unique. Dans cette interview, Mesrine va se montrer particulièrement violent. Le gangster n'hésite pas à proférer des menaces à l'encontre de ceux qui cherchent à l'arrêter. Face à des flics armés, je n'ai aucune limite. Je suis sans pitié. J'allume et je tire, et s'il faut les achever, je le ferai. Mais sa revendication principale concerne évidemment les quartiers de haute sécurité. Pour cela, il s'en prend à Alain Perfit en personne. Il somme le ministre de la Justice d'abolir les QHS et le met en garde. Si Perfit refuse, je lui déclenche une violence comme il n'aura jamais vu en France. Qu'il ne me pousse pas à bout. Et pour bien montrer qu'il ne plaisante pas, Mesrine se fait prendre en photo en exhibant son arme favorite, un 357 Magnum. C'est moi, tout seul, avec mon armement et ma détermination, je suis capable de tenir tête à la police française. Et puis bon, c'est la guerre, quoi, tout simplement. Le scoop de Paris Match fait grincer des dents en haut lieu.
Alain Perfit est scandalisé. Je sais que le ministre de la Justice l'a très mal vécu aussi. Parce que l'identifier, le rencontrer et publier une interview de cette personne qui est recherchée par toutes les polices de France est quelque chose qui peut-être, dans votre métier, peut être acceptable. Pour nous, de l'autre côté de la barrière, c'est quelque chose qui est très choquant. On se dit, bon, on est en train de fabriquer d'un malfaiteur, on est en train d'en faire un héros, et on nous enfonce, nous, encore un peu plus dans le ridicule et dans l'impuissance. Et Jacques Mesrine ne s'arrête pas à des déclarations spectaculaires dans la presse. Il n'a pas peur du pouvoir, alors il va beaucoup plus loin. Juin 79, il kidnappe un riche industriel français, Henri Lelièvre. Contre sa libération, il obtient la plus forte rançon jamais remise à un gangster en France, 6 millions de francs de l'époque, soit 2 millions d'euros d'aujourd'hui. Pour le gouvernement, la situation n'est plus tenable. En ligne de mire, les forces de l'ordre et leur manque de résultats. Les différents services chargés de traquer l'ennemi public numéro 1 sont maintenant montrés du doigt. Cela fait maintenant plus d'un an que Jacques Mesrine est en cavale. Et si la police ne parvient pas à l'arrêter, c'est parce qu'en réalité, il y a de fortes dissensions entre les différentes brigades qui enquêtent sur le gangster. La guerre des polices, c'est pas qu'un titre de film. Hein. À l'époque, elle est bien réelle. Tout le monde se tire dans les pattes joyeusement. Et c'est comme ça que les voyous réussissent à passer au travers. Et à mon avis, Mesrine a aussi bénéficié de ce joyeux cirque. La guerre des polices est menée par deux grands chefs, chacun à la tête d'un clan. D'un côté, le fameux commissaire Broussard de l'Antigang. De l'autre, Lucien Aimé Blanc de l'Office central de répression du banditisme. Aimé Blanc est un grand flic. C'est le prototype du flic rompu à toutes les techniques, les vieilles méthodes, les indiques, la manipulation d'indicateurs, etc., etc. L'un travaille dans l'ombre, l'autre est médiatique. Pendant des mois, Lucien Aimé Blanc et Robert Broussard vont se livrer une concurrence féroce pour arrêter Mesrine. Il est certain que Aimé Blanc, tout comme moi, et bien d'autres, aurait aimé arrêter Mesrine. C'est quand même, dans la carrière d'un policier, c'est un tableau de chasse, c'est quand même autre chose que d'arrêter un gamin qui vole une voiture. J'aurais été vexé que Broussard arrête Mesrine avant moi. C'est la même façon que Broussard aurait été vexé que j'arrête avant lui. Donc il y avait un jeu quand même, il y avait un jeu de stratégie, là, de carrière. Mais ce jeu va finir par déraper. Août 79, Lucien Aimé Blanc décide d'arrêter seul l'ennemi public numéro 1, sans prévenir son collègue Broussard. L'objectif ? Provoquer Mesrine en utilisant les mêmes armes que le gangster, la presse. Pour y parvenir, Aimé Blanc va alors faire appel à un certain Jacques Tillier, ancien policier reconverti dans le journalisme. À l'époque, il travaille pour l'hebdomadaire d'extrême droite, Minute. On a l'idée de faire un article assez méchant sous Mesrine pour essayer de l'exciter et puis éventuellement d'amener un contact, quoi. Et d'essayer d'avoir une opportunité pour éventuellement l'arrêter, quoi. Jacques Tillier donne son accord, car pour lui une seule chose compte, obtenir une interview de l'ennemi public numéro 1. 8 août 79, Minute publie l'article de Tillier qui fait de Mesrine un bandit sans parole et sans honneur. Il importe pour comprendre Mesrine de se défaire des clichés usés sur le type réglo qui respecte ses amis. Certains de ses amis ont eu l'impression d'être quelque peu oubliés. Il a laissé tomber ses collaborateurs. Mesrine ne pouvait pas admettre qu'on dise de lui, entre autres, par exemple qu'il ait torturé une femme, ou etc., qu'il ait tiré sur un gosse, ou lâché ses copains. Ah ça, c'était les trois choses qu'il fallait pas dire. Alors naturellement, le gangster contacte Jacques Tillier. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous.
Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, car Jacques Mesrine se doute qu'il y a un piège. Je suis persuadée qu'il savait que Jacques Tillier voulait le doubler. C'est-à-dire le doubler? Bah, le doubler, ça veut dire en même temps faire son interview, ça c'est certain, parce que l'autre était journaliste, mais en même temps donner des éléments suffisants pour que Mérine soit tuée ou arrêtée très très rapidement. Pour cette raison, le gangster a décidé d'envoyer un complice en voiture chercher Jacques Tillier au lieu de se rendre lui-même au rendez-vous. Ce changement de programme est une mauvaise surprise pour Aimé Blanc. Car pour pouvoir arrêter Mesrine, il a maintenant besoin d'organiser une filature de la voiture. Mais voilà, ce dispositif suppose la collaboration de son rival, Broussard. Alors Aimé Blanc préfère renoncer et laisser partir le journaliste en reportage, sans en parler à quiconque. Je ne préviens pas la direction, parce que si je préviens la direction, ben on va me dire, mettez un dispositif. Et automatiquement, on va voir arriver Broussard et la BRI. Premier juré, on devait tous dire, et là, l'histoire Tillier, on ne l'avait pas su, une fois de plus. J'estime que c'est inutile. C'est inutile et dangereux. C'est dangereux pour Tillier, parce que si notre dispositif est détecté, Tillier est pris en otage par Mérine, il est mal. Donc je laisse courir, là. Franchement, je laisse courir. La décision d'Aimé Blanc va coûter très cher à Jacques Tillier. Car Jacques Mesrine a décidé de punir le journaliste. Nous sommes dans le sud de Paris, au bout de ce sentier, dans cette grotte, Jacques Tillier va maintenant vivre un véritable calvaire. Alors là, il y a le Mesrine violent, d'une violence telle qu'on ne l'a jamais connue. Pour la première fois sur le territoire français, quel que soit le rôle de sa victime, pour la première fois, Jacques Mesrine avait du sang sur les mains. Jacques Mesrine et son complice ont décidé de mettre en scène l'exécution du journaliste. Des cierges ornent la grotte pour éclairer une séance photo particulièrement macabre. Dès son arrivée, Jacques Tillier doit se déshabiller. Humilié, puis torturé, Mesrine finit par lui tirer 3 balles dans le corps et le laisse pour mort. Après le départ des deux gangsters, l'homme parvient quand même à se traîner hors de la grotte. Il sera secouru par un automobiliste avant d'être emmené d'urgence à l'hôpital. La sauvagerie avec laquelle les deux lascars là, avaient traité Tillier, ça avait quand même été très mal perçu. Trop c'est trop. Quelques jours plus tard, l'événement fait la une du 20h. Nous sommes en possession d'un document unique en télévision, une interview de Jacques Tillier, la dernière victime de Mesrine. Dans cette interview, Jacques Tillier nie avoir œuvré pour la police et couvre son ami, Lucien Aimé Blanc. Première question de notre reporter, au journaliste de Minute. Jacques Mesrine savait très bien qu'il n'y avait pas de policiers derrière, que les policiers n'étaient pas prévenus de cette interview. Le journaliste a beau mentir, au sein de la police, l'affaire fait scandale et Aimé Blanc est directement tenu pour responsable. Le policier a voulu faire cavalier seul en utilisant des méthodes douteuses qui se sont révélées inefficaces. Le résultat, c'est que Mesrine n'était pas là, quoi, c'est tout. Enfin, il n'était pas là de s'arrêter. Le temps était venu de mettre toutes les forces dans le même panier, si j'ose dire, pour arriver à un résultat positif et dans de bonnes conditions. Celui qui va mettre de l'ordre dans la police est un certain Maurice Bouvier, le patron de Broussard et d'Aimé Blanc. L'homme n'apprécie guère leur querelle, alors il convoque les deux policiers dans son bureau et tape du poing sur la table. Et il dit, il y en a marre de ces rivalités, anti-gang, OCRB. Maintenant, je ne veux voir qu'une tête. Et ça suffit. Et vous allez me coffrer ce type-là, Mérine. Il y en a marre. Vous asseyez sur vos rancœurs de service et vous marchez tous dans le même sens. La guerre des polices vient de prendre fin. Désormais, Jacques Mesrine est en danger. Un compte à rebours fatal a commencé pour l'ennemi public numéro 1. Celui qui nargue la police et ridiculise le pouvoir est allé trop loin. Au sommet de l'État,
Valéry Giscard d'Estaing a décidé de s'emparer de l'affaire personnellement. Août 79, le président somme son ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, d'obtenir des résultats dans les plus brefs délais. Ben, il dit, Bonnet, est-ce que vous allez enfin arrêter Messrine? Voilà ce qu'il lui dit. Le ministre de l'Intérieur peut se voir, disons, un petit peu malmené. Pourquoi pas son départ demandé ou... On peut dire que c'était devenu une affaire d'État, ou en tout cas une obsession d'État. Pas une affaire d'État, une obsession d'État. Il fallait un résultat dans cette affaire. Christian Bonnet est sur la sellette, il n'a plus le droit à l'erreur. Résultat, les forces de l'ordre retrouvent très vite leur efficacité. Filature, manipulation d'indics, infiltration dans le milieu du banditisme. En un mois, la police retrouve la piste de l'ennemi public numéro 1. Et cette fois-ci, les méthodes de Lucien Aimé Blanc se révèlent fructueuses. Le policier parvient à identifier l'homme qui, à cette époque-là, est le plus proche de Jacques Messrine. Il s'agit de Charlie Boer. On arrive donc à me situer comme étant le complice de Messrine. Brun, 1,75 m, l'accent marseillais, ayant fait de nombreuses années de QHS. Bon, là, tu sais, c'est vite fait. Hein. L'appartement de Charlie Boer est immédiatement placé sur écoute téléphonique. Toutes ces conversations sont passées au peigne fin. Au bout de quelques jours, un personnage mystérieux appelle. Ce simple coup de téléphone va tout changer. Et là, ben, on entend une voix un peu rauque. Monsieur le directeur, on se fait une sortie. C'est Jacques. Allô, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. On se parle comme ça, on s'amusait, tu sais, tu vois. Et il y avait au moins deux fonctionnaires de police qui connaissaient bien la voix de Messrine. Et donc là, à un moment, il y en a un, il est là, comme ça, avec son casque, et il lève le bras et il dit, c'est lui. Le lien entre Messrine et son complice est confirmé. Toutes les forces de police suivent désormais Charlie Boer à la trace et remontent jusqu'à la planque de l'ennemi public numéro 1 dans le 18e arrondissement de Paris. Fin octobre 79, les policiers retrouvent enfin Messrine. Pour le commissaire Broussard, le moment est inoubliable. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Un grand moment d'émotion. Grand émotion. Car ça fait maintenant 18 mois qu'on était après. Et puis il était là. Il y a comme un grand silence qui tombe sur nous, et là on sait qu'on l'a à portée de main et qu'on n'a pas le droit de rater notre opération. Donc la question est de savoir à quel est le bon moment pour interpeller. En réalité, Jacques Messrine ne sera jamais interpellé, mais abattu par la police. Nous avons tenté d'éclaircir les zones d'ombre qui aujourd'hui encore, 25 ans après les faits, entoure les conditions dans lesquelles l'ennemi public numéro 1 a été tué. Paris, porte de Clignancourt, 2 novembre 79. La vie de Jacques Messrine ne tient plus qu'à un fil. Le gangster est au volant de sa voiture, avec Sylvia Jean-Jacques à ses côtés. Et à ce moment-là, il ne peut imaginer que ce qui se passe autour de lui est totalement mis en scène. Les piétons, les automobilistes ou les deux roues qui l'entourent sont en fait des policiers en civil. Il y en a une cinquantaine. Toute la zone est sous le contrôle des forces de l'ordre. À ce moment-là, le dispositif se resserre. Les voitures qui étaient à 100 mètres vont se rapprocher très discrètement. Tout ça, c'est un véritable manège, si vous voulez. Ça doit se faire très discrètement. Ça doit passer inaperçu. L'homme qui avait accepté d'arrêter Messrine sans armes, il y a 6 ans, a décidé de changer de méthode. Pour leur ultime face-à-face, le commissaire est maintenant prêt à employer tous les moyens. Avec un garçon comme Messrine, on n'arrive pas avec un bouquet de violettes, je m'excuse, mais on doit être en permanence sur ses gardes et plus que sur ses gardes. 15h15, porte de Clignancourt. Un camion banalisé talonne la voiture de Jacques Messrine. À l'arrière du poids lourd, caché sous une bâche, il y a 4 tireurs d'élite, armés jusqu'aux dents. Le camion, il nous est passé devant comme ça.
Et il a remercié, le chauffeur a fait merci, Jacques lui a refait merci. Et le conducteur du camion qui a une vision un petit peu d'ensemble sur ses collègues s'est arrangé pour être devant la voiture de Messrine. Et voilà précisément ce dont se souvient Sylvia Jean-Jacques lorsque le camion est arrivé devant la voiture de Jacques Messrine. Tout d'un coup, j'ai vu la bâche qui s'est soulevée et ils nous ont mitraillé tout de suite. C'est sur ce point précis que les versions divergent et les contradictions apparaissent. Voici ce qu'affirme Robert Broussard depuis maintenant plus de 20 ans. Avant que les tireurs d'élite n'ouvrent le feu, le commissaire est formel. Les policiers ont sommé Jacques Messrine de se rendre. Il y a des sommations. On a dit et répété qu'il n'y avait jamais eu de sommation. Ce n'est pas vrai. Il y a des témoins quand même qui peuvent le confirmer. Un certain nombre de policiers, dont moi d'ailleurs, sommes sortis de véhicules et avons braqué Messrine et Sylvia Jean-Jacques en criant police. Vous savez, là, ça a été du police ne bouge pas. Bon. Donc les sommations ont été faites sans problème. Mais au lieu de rester immobile, Messrine aurait alors fait un geste de trop. Là encore, Robert Broussard est catégorique. Il est figé sur son volant et d'un seul coup, il se penche sur sa gauche. Et on constate, précisément du côté gauche, où il avait une petite sacoche avec deux grenades défensives. Selon Broussard, ce n'est qu'à cet instant-là, en état de légitime défense, que les policiers auraient tiré. Messrine est abattue d'une vingtaine de balles dans le corps. Sylvia Jean-Jacques, elle, est grièvement blessée. Moins d'une heure après l'assaut, l'événement fait la une de l'actualité. Jacques Messrine a été abattu à 15h15. Celui qu'on appelait l'ennemi public numéro 1 a été tué aujourd'hui en début d'après-midi. Il y a combien de temps, commissaire, que vous le suiviez? Vous aurez les détails tout à l'heure, les détails. Il n'y a pas eu de bavure? Je vous signale. Non, absolument pas, la preuve. Tout s'est bien passé. Aucune bavure, tout s'est bien passé. Et pourtant, plusieurs témoins présents ce jour-là donnent une version diamétralement opposée à celle du commissaire Broussard. Exemple, Guy Penet. À la question, la police a-t-elle bien sommé Messrine de ne pas bouger avant de tirer? Voici ce qu'il répond. J'ai entendu les bouge pas tes fées, j'ai entendu ça après les coups de feu. Hein. Donc ça fait 22 ans, ça fait depuis cette date-là que je dis ça, que je maintiens cette version. Moi j'ai vu, je dis ce que j'ai vu. Non, bouge pas tes fées, ça a été dit après les coups de feu. Il n'y aurait donc pas eu de sommation avant que les tireurs d'élite n'ouvrent le feu sur Messrine. Pour la première fois, un policier présent lors de l'assaut l'affirme, il est sans équivoque. Est-ce qu'il y a eu des sommations? Est-ce qu'on sait s'il y a eu des sommations? Non, absolument pas. Il n'y a pas eu de sommation. Non, mais attendez. Non, mais je pose la question. Non, mais je vous réponds. Il y a deux solutions. Hein. Ou il lève les bras tout de suite et on n'en parle plus, ou il ne lève pas les bras et... Il était prévisible qu'arriverait ce qui est arrivé. Mais voilà, sans sommation, Messrine n'a en principe pas le temps de lever les bras. Alors pourquoi les policiers auraient tiré si vite? La réponse se trouve sans doute dans les instructions qu'ils ont reçues avant l'assaut. Selon le ministre de l'Intérieur, voici ce qui a été dit aux forces de l'ordre. Bien évidemment, vous ne prenez, ni vos hommes, aucun risque. Quand on dit « vous ne prenez aucun risque », ça veut dire « je ne veux pas qu'il y ait un seul policier qui risque d'être blessé par cet individu ». Par conséquent, on sait ce que ça veut dire. C'est une formule dont vous comprenez très bien ce qu'elle veut dire. Cette déclaration est ambiguë. Mais pour le commissaire Pellegrini, membre des forces de l'ordre, présent porte de Clignancourt ce jour-là, la formule du ministre ne fait aucun doute. Les instructions sont claires, ne prenez aucun risque. Mais ce sont les instructions que l'on donne chaque fois qu'il y a une interpellation dangereuse. Ne prenez pas de risque. Ça veut dire quoi, ne prenez pas de risque? C'est-à-dire, ne faites pas de sommation, n'hésitez pas avant de tirer. C'est-à-dire, opérez comme vous opérez d'habitude face à des individus dangereux. Votre vie est plus précieuse que celle des voyous. Ne vous faites pas tuer bêtement en essayant, par exemple, de le prendre vivant. Selon ce témoignage, Jacques Messrine aurait été exécuté. Il aura donc fallu plus de 20 ans pour qu'un policier ose en parler publiquement.
Mais jusqu'à présent, l'histoire officielle a toujours retenu l'autre version. Les tireurs d'élite ont ouvert le feu sur le gangster, en état de légitime défense, après les sommations d'usage. Quelques heures après l'assaut, les forces de l'ordre investissent l'appartement du gangster. Ils retrouvent des armes, des billets de banque, et parmi ses effets personnels, ils tombent sur quelque chose d'anodin. Il s'agit d'une cassette audio. Lorsque les policiers l'écoutent, c'est la surprise. Bonjour mon amour. Il est certain que si tu écoutes cette cassette, ma petite Sylvie d'amour, c'est que je ne suis plus. Simple souvenir de ma voix. Ton mari est mort, abattu par les policiers. Mais ça, nous le savions déjà. Nous savions que ça pouvait un jour arriver. Il s'agit d'une confession intime et prémonitoire que Mesrine a réalisée quelques jours avant sa mort. Dans ce document, il reste déterminé. Face aux policiers, il n'envisage pas d'être arrêté. Il anticipe une issue fatale. Je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Jacques Mesrine repose aujourd'hui au cimetière de Clichy. Il avait 43 ans lorsqu'il est tombé sous les balles de la police, le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt, à Paris. Voilà pour cette enquête signée Thierry Vincent et Marc Boulet. Avec nous toujours la dernière compagne de Jacques Mesrine, Sylvia Jean-Jacques, Bruno Mesrine, son fils, et puis Paul Lefebvre, journaliste chroniqueur judiciaire. On va revenir tout d'abord sur une chose importante, Bruno Mesrine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, on vient de revoir hein, ces images douloureuses, je l'imagine pour vous, idéalisé votre père? Est-ce que vous en avez fait un héros ou est-ce que vous êtes conscient qu'il était aussi cet homme violent, dur, qui avait pris ses risques, ce terrible jeu qu'il disait entre les policiers et lui? Non, moi, je pense que j'ai jamais idéalisé mon père. Je pense que c'est pas moi qui l'ai fait d'abord, tout ça, de le rendre héros et compagnie. Hein, c'est plutôt, je dirais, les Français, la presse et tout ce qu'on veut qui l'ont rendu comme ça. Hein, c'est pas moi. Bon, Paul Lefebvre, ce jour-là, le 2 novembre 1979, date de cette arrestation, on vient de le voir, hein, les hommes du commissaire Broussard, en tout cas, avaient mis de gros moyens pour interpeller Jacques Mesrine. Les policiers, d'abord, il y avait à l'intérieur de la bagarre entre la PJ et la préfecture de police. Il y avait en plus une énorme pression politique à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les voleurs et les gendarmes. Ils avaient l'air ridicules. Ils avaient l'air ridicules. Alors, je vais dire quelque chose qui ne va pas faire plaisir aux deux autres invités, mais je me dois de dire la vérité. Mesrine n'arrêtait pas depuis des mois et des mois de dire « ça sera moi ou eux et je tirerai le premier », etc., etc. Donc, je veux dire que La querelle sur la légitime défense, elle n'est pas apparue tout de suite, elle est apparue après. Les journalistes spécialistes de Mesrine, entre guillemets, oui, de l'époque, on n'a pas été du tout... Au départ, ils ne se sont pas posé la question. La seule chose qui nous a choqué, c'est Mme Jean-Jacques, elle était visée. Pourquoi l'a-t-on visée? Et il y a quatre impacts de balles qui sont bien, alors si c'est des tireurs d'élite, je veux bien, mais quatre impacts de balles qui la visent, elle. Alors Sylvia Jean-Jacques, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez été grièvement blessé, on en a parlé juste avant ce sujet. Ce qui est fou, c'est que à cette époque-là, vous viviez presque normalement ce jour-là, ce jour de l'arrestation. Mm-hmm. Vous alliez dans votre appartement pour payer les décorateurs, ça veut dire que c'est cela, ouais. Vous viviez normalement. Normalement, tout à fait normalement. Et on allait régler les frais de décoration puisqu'on partait aux environs du 20 novembre, on quittait la France définitivement. Et il voulait que l'appartement soit prêt avant qu'on parte. Est-ce que Jacques Mesrine, ce jour-là, était méfiant, inquiet ou pas du tout? Il l'était un petit peu parce que deux jours avant, on avait vu des mouvements bizarres et suspects. Et moi, je lui ai demandé à ce que l'on parte tout de suite et il a refusé. Alors, Bruno Mesrine, avec votre avocat, Maître Malimbaum, vous avez alimenté cette querelle judiciaire hein, avec, je crois, 11 juges d'instruction. Vous êtes persuadé qu'on a assassiné votre père, qu'il ne s'agissait pas d'un état de légitime défense. Ça a alimenté la procédure, la polémique. Est-ce qu'aujourd'hui,
Il n'est pas le temps de tourner la page. Mais vous tournez la page, je veux bien, mais c'est pas nous la tourner la page. La page est un juge d'instruction de la tournée, c'est-à-dire de reconnaître une bonne fois pour toutes ce qu'il faut quand même être très clair sur les faits qu'on entend dans le reportage et sur la réalité de ce dossier. La réalité, c'est qu'on a quand même des policiers qui ont témoigné devant le juge d'instruction, donnant bien une version totalement contradictoire de celle du commissaire Broussard. Le même commissaire Broussard qui a témoigné devant le juge ne donne pas la même version qu'il donne à la télévision. Pourquoi que le juge d'instruction ne veut pas dire « Ok, il y a eu assassinat et affaire classée ». Paul Lefebvre, ce jour-là, les ordres étaient assez clairs. Il fallait mettre fin à la cavale de Jacques Mestrine. D'ailleurs, Pellegrini le dit bien, mais je suis d'un vrai. Au niveau de la notion d'assassinat, on ne peut pas dire que c'était une notion d'assassinat parce que c'était une opération de police contre un individu, entre guillemets, considéré comme extrêmement dangereux. Et les ordres du ministre de l'Intérieur, c'était de pas de quartier, point final. Et c'est passé comme ça. Alors après, juridiquement, peut-être qu'un juge d'instruction va dire que l'ordre était mal compris, etc., etc. Mais quand, là, actuellement, il y a le visage de M. Bonnet, et Bonnet, c'était pas un joyeux drill. En tout cas, c'était clair, son message. Alors, c'était fini. Et d'ailleurs, ça, quelque part, ça a soulagé les policiers, parce qu'ils ont dit, au moins, on a des ordres clairs, on y va. C'est ce que dit d'ailleurs. On va revenir juste sur un point. Vous, aujourd'hui, vous réaffirmez que ce jour-là, vous n'avez pas entendu de sommation. Il n'y a eu aucune sommation. La bâche s'est soulevée sur le côté et les quatre tireurs ont fait feu. Et quand je les ai vus, j'ai compris et j'ai mis mes bras devant mon visage. Mais vous êtes bien consciente que Jacques Mestrine avait sur lui des armes, c'est vrai ? Tout à fait, oui. Il avait des grenades ? Elles étaient de mon côté, je tiens à le préciser, contrairement à ce que l'on a toujours raconté. Le sac de grenades était... Effectivement, il aurait fait un mouvement. Mes pieds. Les sacs de grenades étaient de mon côté, pas du sien. On va réécouter juste Jacques Mestrine, ce message quasi testamentaire, hein, effectivement, puis après on en parle. Je suis mort les armes à la main, même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose, si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Alors ce jour-là, Bruno Mestrine, votre père n'aurait pas hésité à tirer? À réagir. C'est vous qui le dites. Ouais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur toutes les arrestations qu'il y a dans tout son passif et dans tout son CV, il n'y a aucune arrestation qui s'est mal passée. Il n'y en a aucune. Depuis là, pour ne pas dire que ça s'est même passé tellement à part qu'il est aussi rentré dans la légende par sa manière aussi de se faire arrêter. Il était plutôt du genre à recevoir les flics à coups de champagne et compagnie que les recevoir à coups de calibre. Mais ça avait changé les derniers. Ça avait été une certaine époque. Et puis il y avait des tués. Je regrette les autres. Lui, depuis des mois, disait on ne le prendra pas vivant. Moi, il disait. D'ailleurs, il le dit. Et j'ai toujours pensé, moi, à la fin, pardonnez-moi, parce que vous étiez beaucoup plus proche de lui, on se disait mais il a une tendance suicidaire, ce mec, dans la rédaction, dit ce qu'il y a de bizarre. Il n'arrêtait pas de provoquer les policiers. Et on se disait, dans le contexte où nous étions, nous, observateur extérieur, on se disait, mais enfin, ça va se terminer comme ça. Pourquoi les excite-t-il ? Il n'avait pas cette conscience que, de toute façon, ça allait un jour ou l'autre s'arrêter comme cela, ou pas du tout, honnêtement. Il m'a tout le temps dit, de toute façon, il savait qu'en France, on l'exécuterait et qu'à l'étranger, on l'arrêterait. Déjà, pour commencer, il n'y a qu'en France où il savait qu'on allait le tuer. Hein. C'est pour ça qu'il voulait quitter la France ? Non, puis même, il en avait assez. Il disait à moi, à ses amis, bonne chance au prochain ennemi public numéro 1, on s'en va. Et puis voilà, il avait cette conscience-là, mais lui, il m'a toujours dit, si jamais la police nous repère, ils mettront un tireur d'élite et on me mettra une balle en pleine tête et tu me verras tomber à côté de moi. Mais jamais. Mais vous savez ce qui s'est passé le 2 novembre ? C'est épouvantable, épouvantable ce qui s'est passé. Vous ne pouvez même pas imaginer l'horreur que ça a été. Si on en parle avec autant de recul encore aujourd'hui, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose ce jour-là qui n'est pas normal, quoi. On ne peut pas dire que les moyens qui ont été employés sont des moyens d'arrestation. Et je veux dire, il n'y a, que lui qu'on a exécuté sur la place publique. On arrête plein de gens en France, sauf lui. Lui, on l'a tué. Alors cette voiture, la BMW immatriculée 83 CHG 75, criblée de 57 trous dans sa carcasse, 21 impacts de balles dans son pare-brise, côté conducteur, nous l'avons retrouvée 25 ans après. Regardez cette image, c'est une image inédite.
Elle est, et c'est assez étonnant, dans une fourrière dans le Val-de-Marne. La procédure n'étant pas terminée, elle constitue ce que l'on appelle une scellée de justice. Ça fait donc depuis 25 ans qu'on a cette voiture dans cette fourrière en banlieue parisienne. C'est une image assez étonnante. Pour l'anecdote, en tout cas, je crois que le fisc, enfin en tout cas le ministère de la Justice paie quotidiennement pour la voiture de votre père. Vous regardez ces images, ça vous étonne, ça vous surprend, votre réaction, Paul Lefebvre? Je trouve ça, c'est une pièce à conviction tout à fait intéressante, entre guillemets mythique, pardon, hein, je dis ça comme ça. Et l'a retrouvée dans une fourrière, je l'avais complètement oubliée. Ouais. C'est un bon coup de journaliste d'avoir retrouvé. Félicitations. Sylvia Jean-Jacques, vous souhaiteriez que cette voiture soit détruite ou qu'on la garde encore pour que... Ça ne sert à rien de la garder puisque ça ne prouvera jamais rien. Puisque de toute manière, quand on voit le nombre de balles sur le toit au-dessus de ma tête et devant, et puis que d'après la police, je n'ai pas été blessée, je ne vois pas à quoi ça sert. Hein. Et puis je voulais préciser aussi autre chose. Que dans la vie privée, c'était quelqu'un d'extraordinaire et que contrairement à ce que raconte la police, je n'étais pas sous son emprise. J'étais avec lui volontairement, j'étais très heureuse et je ne l'aurais jamais quitté. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. On comprend bien évidemment la passion qui vous habite encore aujourd'hui. 25 ans après, donc Jacques Mesrine fait toujours parler de lui. Et la justice, elle, pour le moment, a donc basé sur un non-lieu cette procédure pour la énième fois. Prochain rendez-vous de Secret d'actualité dans 15 jours. Merci de nous être fidèles. Merci à Jean Marégois avec qui nous préparons cette émission. À Florence Savalescudier, à la production. À Serge Calfon, à la réalisation. Bonne semaine à vous tous. Secret d'actualité continue sur M6.fr.